Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, dans cette petite vidéo, j'aimerais répondre à une question que beaucoup d'utilisateurs et utilisatrices se posent au sujet d'une problématique particulière. Autrement dit, comment découper une région en parties égales. Alors oui, vous pouvez très bien utiliser l'outil ciseau dans la boîte à outils, mais dans certains cas, ça peut prendre, on va dire, vraiment des plombes. Surtout si vous avez des régions qui sont suffisamment grandes pour vous faire passer un temps infini à découper par tranche votre région comme vous le souhaitez. Alors ici, j'ai fait un petit exemple. J'ai commencé à faire un petit pattern de batterie et j'aimerais rajouter une charlet qui fasse autrement dit, avoir 4 double croches par temps. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais tout d'abord créer ma région, comme ceci. Alors ma région, bien évidemment, c'est une note qui tient pendant une certaine durée. Et ici, moi, ce que je voudrais, c'est plutôt que de prendre mon outil ciseau ici, qui est juste là, voilà, et avoir à découper une par une les différentes sections de ma note MIDI, autrement dit de ma région, avoir quelque chose qui fasse le job, autrement dit, rapidement, en quelques clics. Alors vous allez voir que c'est relativement simple. Il va suffire dans un premier temps de choisir ici dans le magnétisme le type de division que vous souhaitez. Alors ici vous voyez que vous avez différentes figures de notes, vous pouvez diviser à la noire, à la croche, à la double croche. Donc ça tombe bien parce que moi ici je veux que ça fasse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 par temps. Donc ici c'est ma double croche. Ce que je fais, c'est que préalablement je vérifie que j'ai bien sélectionné mon outil ciseau. Je me positionne ici sur une des divisions qu'on voit là, on voit le quadrillage avec 4 séparations par temps. Je me positionne sur ma première section, comme ceci, je maintiens la touche option de mon clavier, et je clique. Et là, hop, automatiquement, j'ai ma région MIDI qui est découpée en parts égales, autrement dit en double croche, et quand je vais écouter ce que ça donne, eh bien, je vais avoir le petit effet souhaité, autrement dit mon petit tit. Regardez, écoutez. Bon, c'est pas le pattern rythmique de folie, mais pour l'exemple, on va dire que ça fait le job. Ça a pu vous permettre de voir comment diviser en sections multiples et égales une région MIDI dans Logic. Voilà pour ce nouveau tuto. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.